Good morning, à la Hidden, l'étude sera aujourd'hui le Nishmat, Avam Khaïn, Robert Ben Fortune, Mazal, Rachamim Ben Rosa et Yedida Batester. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, convertie de 5 minutes éternelles, nous étions à Sekhater Rin, Perektet, Mishnah Bet. Mechara la Rishon Bemane, Omachar la Rishon la Sheni Bemataim, Eno Mechashev, Ela Ima Rishon, Sheneemar la Ish Asher Machar Lo. Mechara la Rishon Bemataim, Omachar la Rishon la Sheni Bemane, Eno Mechashev, Ela Ima Acharon. Shenemar la ish asher betocha. Deuxième sujet, lo imkor berachok veigol bekarov, bera veigol beyafe, lo ilve veigal, velo igal lachatzaim, ubehekdesh mutar bekulan, ze chomer behediot mi bahekdesh. On continue dans notre Mishnah à parler du sde arkuza que l'on a vendu, c'est-à-dire une personne qui hérite la terre de ses pères jusqu'à Yoshua Bin Nun, selon quand on a fait le partage des restes d'Israël, selon les tribus, eh bien, tout d'abord, cette terre lui revient tous les 50 ans, lorsqu'on vend une maison, lorsqu'on vend un champ pour le moment, on va se concentrer sur le champ pour le moment, lorsqu'on vend un champ, alors on le vend que jusqu'au Yovel, jusqu'à tous les 50 ans, et tous les 50 ans, les terres reviennent à leur propriétaire, ça l'a donné de base. Mais mieux que ça, lorsque je vais vendre ma parcelle de terre que j'ai héritée de mes ancêtres, eh bien, la Torah m'a donné la possibilité d'être goel oto, de le racheter, de le libérer. Je peux revenir et verser selon le nombre des années restantes, puisque je n'ai vendu que pour 50 ans. Donc, pour 50 ans ou pour 30 ans, c'est-à-dire jusqu'au Yovel, ouais. S'il reste 27 ans jusqu'au Yovel, on calculera 27 ans. Donc j'ai vendu, l'acheteur a exploité pendant 4 ans, 5 ans. Je viens maintenant, je veux racheter les 22 ans restants. Donc je paye, je fais la différence. Écoute, pour les 27 années, je t'avais vendu ça à 270 000 shekels. Donc ça fait 10 000 shekels par an. Tu as consommé 5 ans, on disait du 50 000, tiens 220 000, tu rends le terrain. D'accord? Ça c'est la donnée de base. C'est explicite dans les psukim, dans la Torah, de Parashat Behar. Maintenant, la Mishnah va continuer en m'apprenant maintenant un nouveau détail. D'abord, j'ai introduit la notion, ça ira plus vite. C'est lorsque j'ai vendu à un acheteur, donc, et que lui-même a revendu la maison, mais à un autre prix. Est-ce qu'on va calculer selon les années restantes, à partir du prix du premier ou à partir du prix du deuxième? Et la Mishnah va dire, eh ben, tu vas manger à tous les râteliers. En hébreu, tu vas être roqué d'acheter à Khatunot, tu vas danser dans les deux mariages en même temps, tu profites, tu prends le meilleur des deux situations. Ce que la Mishnah m'enseigne, regardez, Mechara la Rishon Bemane, il a vendu à un premier, à un mané. Imaginez que pour le moment, il n'y a pas de problème de déduction des années, donc et tout de suite après, le premier l'a revendu au Mechara la Rishon la Sheni Bemataim, mais le premier a revendu à un deuxième à 200. C'est une terre très fertile. On avait dit, 2 ans d'exploitation, on n'a pas le droit de racheter, ça on avait appris ça dans la Mishnah précédente. Et maintenant, la Mishnah m'enseigne, donc maintenant, je calcule selon le prix de qui? Selon le prix de 100 pour les, on va dire, qui reste 10 ans, et j'ai vendu à 100 au premier. Et le deuxième, le premier a vendu au deuxième à 200, pour 10 ans. Il a vendu tout de suite après. Donc, est-ce que je vais calculer 10 à l'année, ou 20 à l'année, selon le prix du premier ou du deuxième? La Mishnah m'enseigne, et bien dans ce cas où le premier l'a vendu à 100, et le deuxième, la première vente, elle était de 100, et le deuxième était de 200, et le Mechashev Elaim Arishon ne calculera que selon le prix du premier, qui donnera au deuxième, bien évidemment, pas au premier, même si les mots ne sont pas exacts. Et le Mechashev Elaim Arishon ne calculera qu'avec le premier, c'est-à-dire qu'avec le prix du premier, chez Nehemar, comme me dit le verset, la Ish Asher Machar Lo, il devra donner à l'homme à qui il a vendu. Donc la Torah l'a dit, à celui que j'ai vendu, moi je ne te connais pas le deuxième, je connais que le premier, comme ça la Torah me le dit. Mais malgré tout, Mechara la Rishon Bemataim. Si le premier, il a vendu au premier à 200, cas contraire. Mechara Rishon la Sheni Bemane. Le premier, l'acheteur premier a revendu ensuite au deuxième acheteur à Bemane à 100. Il a fait une réduction, il a besoin d'argent urgemment. Et bien dans ce cas-là, Eno Mechashev Elaim Acharon. On ne calculera que sur le prix du deuxième, du dernier. On lui paye en 100, 10 à l'année, pas 20 à l'année. Chez Neymar, comme me dit le verset, la ish asher betochako, le pasuk insiste en me disant qu'il devra donner à celui qui est dedans. La Torah elle aurait pu utiliser l'expression en disant la asher betocha, et la Torah a insisté pour te dire la ish asher betocha, pour te dire, un mot supplémentaire, pour te faire comprendre que
considère aussi le prix qu'il a payé parfois. D'accord? Donc en fait, on se retrouve en fait, comme on a dit, on danse, on mange à tous les râteliers en bon français. Elle m'échappait l'expression, c'est pour ça que je suis content de l'avoir retrouvée. Enfin, je savais qu'en hébreu on dit l'irkod al-shter hatunot. On danse dans les deux mariages. Et, bon, enfin bref. Et on continue maintenant sur l'histoire. Maintenant, il y a un point important. Bon, il y a un passou qui me dit tu calcules selon le prix du premier et un passou qui me dit tu calcules selon le prix du deuxième. Qui a dit qu'il fallait nécessairement jouer à l'avantage du vendeur et pas de l'acheteur? Question. Et réponse, il y a une Gzera Shava, on juxtapose ça au halakhot du Eved Ivri, de l'esclave qui se vend, juif. Et là-bas, la Torah, elle a proposé deux, il y a deux versets explicites. Un qui me dit qu'il devra lui donner mikesef miknato, selon le prix qu'il a acheté, et un autre qui me dit tu lui donneras kefishanav, comme ce qui coûte aujourd'hui. Et la Gemara, dans Kiddushin, elle explique ça bien, en déduisant comment de Eved Ivri, c'est sûr que ça s'interprète à l'avantage du Eved Ivri. La Torah a un intérêt à ce que le Eved Ivri, l'esclave, puisse se racheter et redevenir un juif libre, qui fait ce qu'il veut de son temps, qui peut exploiter et servir Hachem à sa manière, sans être, comment dire, assujetti, sans être plié à son maître. Donc là-bas, c'est déduit, et ensuite, on apprend la loi du Eved Ivri pour les lois du champ aussi, qu'on le rachètera, ça jouera à ton avantage. Fin du premier sujet. Deuxième sujet maintenant, je vous fais une petite introduction aussi, parce que ça ira plus vite, de nouveau, parce que la Mishnah va proposer plein de cas, mais en fait, le principe, il est unique. La Torah, presque, pour les trois... La Torah, elle a explicité, tel qu'on le fait dans les psukim même, la Torah, elle a dit, « Ve'isiga yado umatsa kedeg eolato » La Torah, elle a laissé la possibilité de racheter le terrain, comme on a dit. Je l'ai vendu pour 27 ans, il a exploité 5 ans, je veux racheter ce qui reste. La Torah, elle m'a dit maintenant que... Je ne trouve pas, je ne vais pas perdre de temps en plus, le chercher, c'est dommage. Mais en tout cas, la Torah, elle a... Je vous fais les deux psukim, je vous dire un petit mot dessus de ce qui est écrit dans le Rachash ici. Kiamuchachicha, lorsque ton frère s'appauvrira. Ou machar me achuzato, il le vendra de sa parcelle de temps, de terrain. Ou bagoalo karovelav, première halakha, la Torah me dit, tu sais, d'abord, premièrement, il peut y avoir un proche parent qui va venir le racheter, c'est un goel. Il va racheter le bien pour que ça reste dans la famille. On a intérêt à ce que ça reste dans la famille. Donc si je vends mon bien, moi qui suis de la tribu de Yehuda, je vends mon bien à quelqu'un de la tribu de Shimon, mon frère, ou plutôt mon héritier, celui qui est apte à mériter, le premier niveau d'héritier, eh bien, en l'occurrence, j'ai des enfants, donc ils vont, eux, c'est eux qui ont le droit de venir racheter le terrain. C'est vraiment entre parenthèses, ça. C'est pas notre sujet pour le moment. Il y a la Geulat Krovim, ça s'appelle. Que les proches parents peuvent aussi racheter. Proches parents, ça implique l'héritier de premier niveau. Donc, Vegal et Mimkar arrive et il pourra racheter le terrain de la vente de son frère. Et la Torah me dit, elle continue en me disant, Ve'ish ki lo yelo goel, ve'insigayado umatsa kedegeulato. Il y a un homme qui n'aura pas de goel, qui n'aura pas de racheteur, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de proches parents qui vont venir racheter le terrain, ils sont tous à la rue. Eh bien, la Torah me dit, Ve'insiga. Et la goel, ok. Veisiga yado. Et il aura refait fortune. Ou matza kedeulato. Il aura retrouvé de quoi racheter son terrain. Alors la Torah nous dit Vechishav et shene mimkaro. Il calculera selon les années restantes. Vechishav et aodef leishashav karo. Et il rendra le supplément à l'homme qui l'a vendu. Vechoulé. Donc on a parlé maintenant. L'expression qui m'intéresse tout de suite pour le moment, c'est Veisiga yado. Ou matza kedegeulato. Il a refait fortune. Je déduis de là que, lorsque j'ai vendu mon terrain parce que j'avais pas d'argent, j'avais des dettes, si finalement, ce qui va me permettre de racheter le terrain, ce n'est que si je gagne un nouvel argent, je refais de nouveau fortune. Mais si toutefois j'avais aussi un deuxième bien, j'avais deux terrains, j'ai vendu un, et puis j'avais aussi un deuxième. Après finalement, je me dis, bon c'est dommage, je vais revendre celui-là et j'utilise l'argent pour racheter le premier, et bien là ça marche plus. Il faut nécessairement Vehisiga Yado. Ouais, premièrement, donc je ne peux pas vendre un terrain pour racheter le terrain. Je dois nécessairement trouver un nouvel argent.
C'est ce que la Mishnah m'enseigne pour le moment. Lo imkor berachok veigol bekarov, bera veigol beyafe. Je vous ai dit, un petit problème technique, c'est que la Torah, la Mishnah, elle m'a parlé d'un cas particulier en disant « Tu ne vendras pas un champ qui est éloigné pour acheter un champ plus proche. Tu ne veigol bekarov. » Ou bien « Un champ mauvais, de mauvaise qualité, pour racheter un champ qui est de meilleure qualité. » Ça trompe cette phrase, parce qu'on pourrait croire que « Et quoi ? Et si tu vends la bonne qualité pour acheter la mauvaise qualité, alors ça marcherait ?» Et c'est faux. C'est sûr que c'est faux. C'est explicite dans le Tosfot Yom Tov au nom de Tosfot que dans tous les cas, tu ne vends pas un champ pour acheter un autre champ. C'est ça le principe de notre Mishnah. Parce que tu dois nécessairement enlever ici Gayado, tu dois refaire fortune. D'accord ? La Torah, elle a juste parlé, la Mishnah, elle a parlé concrètement. Ce n'est pas quelqu'un qui va vendre un beau terrain pour acheter un terrain mauvais. Donc la Torah, elle a parlé, la Mishnah, elle a parlé concrètement, mais en réalité, c'est tu ne vendras pas l'un pour pouvoir acheter l'autre. C'est le principe. Deuxième cas de figure, c'est vélo élevé et égal. Il n'empruntera pas pour racheter. Il devra nécessairement refaire fortune. C'est déduit du même pasuk. Vélo igal la chatsaïn et il ne délivrera pas le champ à moitié. Ça, c'est déduit du umatsa kede geulato. Il aura fortune, il aura trouvé l'argent nécessaire pour kede geulato. Pour enfin libérer son terrain. Il y a une insistance sur la Torah, dans la Torah. Ça saute aux yeux, quoi. Veish kelo yengoel, veish iga yado. Umatsa kede geulato, il aura trouvé enfin de quoi racheter kede geulato. De là, on déduit la dernière halakha qui me dit velo iga la chatsaïn, tu ne pourras pas racheter le terrain à moitié. C'est-à-dire, j'ai vendu le terrain à. Ah, on avait dit combien, 270 000 pour les 10 ans, pour les 27 ans, et puis au bout de 5 ans, donc en théorie je dois racheter à 220 000, j'ai réussi à obtenir 110. Je veux racheter la moitié du terrain. Eh bien la Torah me dit que non, ça ne marche pas. Soit tu as la somme intégrale du reste des années, et tu libères tout le terrain, mais tu ne libères pas à moitié. D'accord ? Et la Mishnah continue en me disant « Uba hegdesh mutar mekulan » Sache que par contre, lorsque tu sanctifies ton champ, qu'on avait appris toute la lachot plus haut dans le pérec précédent, tu sanctifies le champ, hein, donc tu as un droit de le racheter, bien évidemment, tu as sanctifié ton champ, tu as intérêt à aller le racheter ailleurs pour qu'il reste dans ta propriété, donc tu vas aller le racheter, et maintenant supposons que tu n'as pas les moyens de tout racheter, mais tu peux racheter la moitié, ben tu pourras racheter la moitié. Si tu as la possibilité d'emprunter à quelqu'un, tu emprunteras aussi, tu peux. Tu vendras un autre champ pour pouvoir acheter celui-ci, aussi tu peux le faire. Il n'y a aucun problème. D'accord ? Et dans ce cas-là, la Mishnah conclut en me disant « Zechomer bahediot mi bahekdesh ». Telle est la loi plus rigoureuse que l'on trouve envers le hediot, le juif simple, qui ne se retrouve pas dans le hekdesh. C'est-à-dire, en théorie, de manière un rapport de force en général, on est toujours plus strict avec ce qui appartient au Beth Amikdash, beaucoup plus mahmir, en théorie. Et soudainement, là, dans cette série de halachot, on a découvert qu'en réalité, parfois, on est plus cool dans le Hekdesh, dans ce qu'on a sanctifié, que dans ce que l'on vend à son prochain. On a fini en tournant la Mishnah. J'ajoute deux petites minutes pour vous dire quelque chose de très joli qui est écrit dans le Rachash. C'est super intéressant. Personnellement. On a déjà constaté dans les psukim qu'on a lus que la Torah, elle me dit, tu sais, quand tu vendras ton champ, eh bien, il y aura ton héritier qui pourra venir le racheter. Et si toutefois, il n'est pas venu le racheter, alors tu le rachèteras toi-même. Et la Torah insiste en me disant, tu ne le rachèteras pas, t'emprunteras pas, ou tu ne vendras pas un autre champ, mais tu devras refaire fortune pour le racheter, et tu devras aussi déduire les années restantes. C'est surtout le but du pasuk. Le rachat ici soulève un sujet très intéressant, à savoir, est-ce que lorsqu'un proche parent va venir acheter, lui, le proche parent, il est plié à toutes les instructions de la Torah que tu ne vends pas un champ pour acheter celui-ci, tu ne vas pas emprunter, ou tu devras aussi... Là, le Rachat Jivin nous dit, sache que concrètement, il rapporte un Torah de Kohanim, Sifra, qui explicite que le proche parent qui libère, lui, il doit payer intégralement, il ne déduit pas toutes ces histoires des années selon les années restantes, il doit payer intégralement tout, et par contre, il pourra aussi emprunter de l'argent, il pourra vendre un autre champ pour faire, il n'est pas plié du tout. C'est à la limite, c'est explicite dans les psukim de la Torah, où la Torah, elle me dit, lorsque ton frère s'appauvrit et qu'il vend son champ, il y aura son proche-parent qui pourra venir le racheter, point. Et la Torah conduit en disant, et s'il n'y a personne qui est revenu le racheter, alors, et que tu as refait fortune, tu le rachèteras intégralement et tu calculeras sur les années restantes. Mais lorsque c'est ton frère qui vient racheter, eh bien, le pasouk presque explicitement me dit, ben, ton frère vient racheter sans aucune,
aucune réduction, aucune, et sans aucune contrainte. Il n'est pas plié à tout ce qu'il y a dans la suite du Pasouk. Et le Rachash Rachon rallonge pour prouver est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non. Il y a des Gemaraux qui laissent sous-entendre le contraire. Comme quand on étudie la Gemara, il y a toujours des questions et des réponses, surtout pour l'an prochain. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Vous savez.